Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la partie 2 de ma vidéo d'idées coiffure avec des élastiques. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille fortement d'aller la regarder pour pouvoir avoir la technique que j'ai utilisée, que je vais utiliser dans cette vidéo aussi. Donc je vais utiliser mon peigne pour séparer mes petits triangles juste sur le devant. Et je vais utiliser les petits élastiques pour les attacher. Quand je vais avoir attaché toutes les petits triangles, je vais tout simplement les rassembler ensemble pour pouvoir avoir comme une vanille ou tresse d'élastique. Et donc je vais tout simplement rouler la partie qui est après l'élastique autour de mon doigt et à l'attacher avec la prochaine élastique. Et donc la dernière partie est un peu épaisse, donc je vais tout simplement la brosser avec ma brosse pour m'assurer que je puisse faire ma tresse sans de nœuds. Donc je vais brosser et ensuite je vais commencer à faire ma tresse qui va finir tout simplement ma tresse d'élastique. Et pour finir, je vais tout simplement attacher les deux bouts de ma tresse pour faire comme une couronne. Et donc pour la partie bonus, je vais tout simplement vous montrer comment vous pouvez aussi coiffer vos cheveux après avoir fait ces tresses d'élastique. Donc vous pouvez tout simplement faire une queue de cheval. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et on se voit dans une nouvelle vidéo. À bientôt !